إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل l'explication en langue française du livre أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ou la croyance du musulman de son question réponse. C'est aussi un des titres qui a été donné à ce livre. Lorsqu'on dit bien sûr Alam Sunnati al-Manshura, ça c'est un titre. Et un deuxième titre qui a été également donné, c'est la croyance du musulman en 200 questions et réponses. Donc Alam Sunnati al-Manshura, les repères de la Sunna déployés. On a fini un chapitre qui est en relation avec Fitnatul Qabr et avec Azabul Qabr wa Na'imu. Donc l'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe et son délice. Donc c'est un chapitre qu'on a terminé et donc on continue notre parcours à travers cette base de la croyance qui revient donc à l'iman bil yawm al akhir, c'est-à-dire la foi au jour dernier et tout ce qui rentre donc dans le jour dernier, tout ce que les savants ont répertorié et qui est rentré dans ce chapitre ou dans cette base qui fait partie bien sûr des 6 bases de la foi que tout musulman doit connaître. Le shir à la question 109, qu'est-ce qu'il nous pose ? Mada yaqul le shir. Donc toujours on rappelle que son livre, il est constitué donc de questions et de réponses. Procédé qui facilite à la personne de pouvoir retenir les différents points de la croyance et également de pouvoir enregistrer et mémoriser les preuves que le shir apporte. Car on a vu durant tout le cours ou durant tous les cours en relation avec ce livre, on a vu que le shir jamais n'avance quelque chose sans apporter une preuve du Coran ou de la Sunna, ou du Coran et de la Sunna. Et c'est ce qu'il va faire encore lorsqu'il nous dit à la question suivante « Ma dalilul ba'thi min al-qubur » Donc quelle est la preuve de la résurrection ? Donc le terme que l'on va voir et que l'on va répéter durant ce cours, c'est « al-ba'thu ». Donc « al-ba'thu » c'est ce qu'on traduit par la résurrection. C'est le terme ici voulu qui va être employé dans le Coran et qui est employé également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La résurrection, al-ba'thu. Donc quelle est la preuve, ma dalil ou al-ba'th, à partir des tombes, depuis les tombes. Et bien sûr le shir, il va venir dans un premier temps avec des versets du Coran et même plusieurs versets du Coran. Pour comprendre ces versets, et pour comprendre beaucoup de versets qui sont des preuves claires et nettes du Coran que la résurrection va bel et bien arriver, al-ba'th. On va détailler sur cette question-là. On va rentrer plus dans les détails. On va voir en fait que le Coran a détaillé ce point de la croyance, qui est un point essentiel, et dont beaucoup de gens ont réfuté. Beaucoup de gens parmi les êtres humains ont réfuté, que ce soit les êtres humains également les djinns, qui ont réfuté donc la résurrection, al-ba'th, qu'on va être ressuscité. Donc bien sûr, résurrection, c'est être ressuscité. Les corps sont ressuscités. Allah Azzawajal va nous ressusciter pour bien sûr ensuite faire ou établir les comptes. Donc on va voir que le Coran, il a insisté sur ce point essentiel de la croyance. Et on va détailler cela, et on va voir que exactement il y a 7 méthodes. Le Coran va employer 7 méthodes pour argumenter la résurrection ou la preuve de la présence de la résurrection. 7 méthodes qu'on va détailler méthode par méthode en apportant des exemples de plusieurs versets à chaque méthode, Inch'Allah. Et donc à travers cela, on va voir que on va revenir essentiellement au Coran. Et donc on va revenir à beaucoup de versets du Coran durant ce cours. C'est une chose qui est évidente. C'est pour ça que
Je me rappelle d'une question qui avait été posée et même écrite à un des grands savants de ce siècle, et qui est Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahmatullah alayh, rahmatan wasi'a. On lui avait posé la question: quel est le meilleur livre pour étudier la croyance islamique, pour étudier le dogme, al-aqidah? On lui avait demandé, on lui avait posé cette question au Cheikh: quel est le meilleur des livres pour pouvoir étudier la croyance? Il avait répondu, le Cheikh: le meilleur des livres pour étudier la croyance, c'est Al-Qur'an, c'est le Coran. Bien évidemment, c'est le Coran. Celui qui veut étudier la croyance, alors qu'il étudie le Coran. Et on va voir ici, sur un seul point, on va voir comment le Coran, comment Allah Azzawajal, à travers son Coran, il va diversifier les méthodes pour argumenter, pour appuyer un point primordial de la croyance. Si on dit qu'il y a sept méthodes, donc on voit une multiplication de ces méthodes. C'est-à-dire que lorsqu'on dit méthode, c'est bien sûr méthode d'argumentation. Et donc la multiplication de ces méthodes d'argumentation vont nous indiquer deux choses essentielles. Dans un premier temps, l'éclaircissement, al-bayan, l'éclaircissement sur la dureté, sur également l'importance et également le danger des événements que l'on va subir à travers la résurrection. Et que cela est loin, très loin d'être facile. C'est-à-dire que ça va être une grande épreuve pour l'être humain. C'est pour ça que le Coran, il a insisté sur ce point, la résurrection. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire la multiplication des méthodes d'argumentation nous indique deux choses. Et la première de ces deux choses, c'est celle-là qu'on vient de citer. Pour ce qui est de la deuxième, al-bayan, c'est-à-dire également, on va s'apercevoir l'éclaircissement de l'immense miséricorde d'Allah Azzawajal envers ses créatures. Une immense miséricorde d'Allah Azzawajal envers ses créatures. Et comment cela? C'est que Allah, lorsqu'il donne une première méthode pour convaincre celui qui va lire le Coran que la résurrection est bel et bien présente et va arriver, s'il n'est pas convaincu, alors il va s'apercevoir de la deuxième méthode. S'il n'est pas convaincu par cette deuxième méthode, alors la troisième méthode et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, de sa grande miséricorde envers ses créatures, il a apporté tant de méthodes, c'est-à-dire ces méthodes que l'on va citer, pour donc prouver à la personne et afin qu'elle soit convaincue bel et bien qu'il y a la présence de la résurrection, et par là qu'elle se mette sur le droit chemin et qu'elle soit donc enfin sous la miséricorde d'Allah. La première méthode que l'on trouve dans le Coran. La première méthode, ce sont des versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection. Des versets évident et clair dans l'affirmation de la résurrection. On va voir que cette méthode, elle suffit aux croyants. Cette méthode-là, elle suffit en fait aux croyants. La personne qui a cru et qui est un réel croyant, cette méthode-là, elle lui suffit. Et donc, si cette méthode lui suffit, alors les autres méthodes qu'on va voir ensuite vont être pour le croyant une augmentation en foi et en certitude. C'est-à-dire ces autres méthodes, la deuxième, la troisième, jusqu'à la septième qu'on va voir, ça va être donc une augmentation pour le croyant en foi et en certitude. Mais cette première méthode suffit au croyant, celui dont Allah Azzawajal l'a guidé sur le droit chemin. On va voir que ces versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection se traduisent soit par le rappel de la résurrection, soit par le rappel d'un des noms du jour dernier. On avait vu dans les premiers cours, lorsqu'on est rentré « Iman bil-yawm al-akhir », dans la croyance donc du jour dernier, ou la foi du jour dernier, on avait vu qu'il y avait... On avait cité 19 noms. Également, le rappel d'une des caractéristiques du jour dernier, également le rappel d'une des apparences du jour dernier, etc. Donc tout cela, c'est tout simplement des versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection. Et il faut savoir que ce style de verset, ou cette catégorie de verset, ou ce genre de verset, sont présents dans toutes les sourates du Coran, sauf un nombre très petit. C'est-à-dire dans tous les sourates, toutes les sourates du Coran, on va non seulement trouver un verset, mais même plusieurs versets. On va également trouver plusieurs versets. Ce n'est pas un seul verset, mais plusieurs versets dans toutes les sourates du Coran, sauf, comme on a dit, un nombre très petit. Et ce nombre de sourates qui sont minimes par rapport à toutes les sourates du Coran, on les trouve fil juz al-akhir, dans le dernier des chapitres. Et à titre d'exemple, de ces sourates, on ne va pas trouver donc ce genre de versets, comme par exemple Sourate al-Shams, le soleil, ou Al-Asr,
ou Al-Fil, l'éléphant Al-Qadr, le prédestiné Quraysh, ou Al-Kafiroun, les mécréants Al-Ikhlas, etc. Bon, dans ces sourates, on ne va pas trouver ce genre de versets, mais il y en a très peu, elles se trouvent dans le dernier des chapitres. Sinon, dans toutes les autres sourates, on va trouver non seulement un, mais plusieurs versets. Donc, si on avait à citer des exemples, le Coran, comme on l'a compris, regorge de ces exemples-là. Et on va en citer trois qui sont des plus évidents. Et ces trois-là, on les a déjà vus dans les cours de, et même le dernier cours, ou l'avant-dernier cours de Min Kunuz al-Qur'an. Là où Allah Azzawajal demande à son prophète de jurer par Allah. Et donc on a vu que la personne, que l'être humain, que ce soit le prophète et ceux qui l'ont suivi, et l'être humain de façon générale, ne peuvent jurer que par Allah Azzawajal. Il est strictement interdit de jurer par un autre qu'Allah. Donc il est évident qu'Allah Azzawajal ordonne à son prophète de jurer par Allah. Et comme on sait, celui qui jure par un autre qu'Allah, il fait un acte d'associationnisme, de polythéisme. Et on va citer donc trois versets. Et c'est uniquement trois versets qui sont présents dans le Coran, où donc Allah Azzawajal demande à son prophète de jurer par lui, subhanahu wa ta'ala, que Al-Bahf, c'est-à-dire donc la résurrection, va bel et bien arriver. Donc ici ça rentre bien dans la première méthode, c'est-à-dire des versets évidents et clairs dans l'affirmation de la résurrection. Et donc ces trois versets, on les recite ici dans notre cours, et qui sont les suivants. Le premier verset, c'est fi surat Saba, et c'est le verset 3. Yaqul Allah Azza wa Jal. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Ça c'est le premier verset. Et dont la traduction ou le sens et le suivant, ceux qui ne croient pas disent, l'heure ne nous viendra pas. Dit par mon Seigneur, très certainement, elle vous viendra. Donc on voit ici le qasam, c'est-à-dire le serment. Qul bala wa rabbi, ici donc un serment. L'heure ne nous viendra pas, dit par mon Seigneur, très certainement, elle vous viendra. Ça c'est pour le premier verset. Et le deuxième verset, c'est fi surat Yunus. C'est fi surat Yunus, et c'est le verset 53. يقول الله عز وجل ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Et il t'informe auprès de toi, et il s'informe auprès de toi, est-ce vrai? Dis oui par mon Seigneur. Donc on voit ici encore le qasam, on voit encore ici le serment. قل إي وربي وربي. Dis oui par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Surat Yunus, et ça c'est le verset 53. Et le troisième verset, donc on avait dit qu'il y avait simplement trois versets dans ce qui donc adoptait ce style par le serment. Et le troisième, c'est celui-là, et c'est fi surat la grande perte. Tarabun. Yaqul Allah Azza wa Jal Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Donc ça c'est le verset 7 de surat Taghabun, donc la grande perte. Le verset 7, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis mais si par mon Seigneur. Donc on voit encore ici Al-Qasam, Bala wa Rabbi, Bala wa Rabbi. Donc ça c'est dans les trois versets, on retrouve wa Rabbi, et c'est donc le serment. Dis mais si par mon Seigneur vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Ça, c'est pour la première méthode. Et bien sûr, il y a des exemples ensuite qui sont très nombreux, comme on l'a cité, vu qu'ils sont pratiquement dans toutes les sourates. Et comme on a dit, et on répète, qui nous propose un des noms du jour dernier, une des caractéristiques de ce jour, ou une des apparences de ce jour, etc. La première méthode, verset évident, est clair dans l'affirmation de la résurrection. Ensuite, on passe à la deuxième méthode. Qu'est-ce que la deuxième méthode ? La deuxième méthode qu'emploie le Coran pour argumenter sur la présence donc de la résurrection, c'est le rappel de la première création. Le rappel de la première création. At-tafkir bi nash'atil ula. Donc le terme qu'on emploie, et c'est un terme donc qui va revenir dans le Coran, c'est an-nash'a. At-tafkiru bi nash'atil ula. Donc le rappel de la première création.
Ça, c'est également une méthode, c'est la deuxième méthode donc, que l'on voit qui est employée par le Coran. Et les exemples de cela, il y en a également beaucoup. Parmi ceux qu'on va citer, le verset suivant, où donc il est repris le terme Nash'a. Bien sûr, lorsqu'on dit Nash'a, il y a d'autres versets qui ne reprennent pas le terme Nash'a, qui sont dans la même catégorie, qui reviennent, on va dire, à la deuxième méthode. Mais lorsqu'on dit Tathkir bi Nash'atil Oula, alors il faut savoir que ce terme-là, il est bel et bien employé par le Coran. Un des versets que l'on cite et qui se trouve fi Surat l'araignée, et qui est le verset ou les versets 19 et également 20, يقول الله عز وجل أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيد إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله هذا هو الشهيد ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Donc ici on voit awalam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu. Donc ici dans un premier temps on a le premier témoin argumentatif qui se trouve ici kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu. Donc comment Allah Azza wa Jal il nous rappelle qu'il a créé la première création et que cette création il va la répéter. Et ensuite qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalqa ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime. Il la traduit comme cela. Ici, le terme employé donc ينشئ النشأة الآخرة, et donc qui va être la génération ou qu'on va comprendre par la création qui va donc se répéter, c'est-à-dire la répétition de la création. La répétition de la création. Donc ici, bel et bien allusion à al-Bahth, comme nous l'a rappelé Ibn Kathir et d'autres encore en Fassiri. Donc on voit ici le terme Nash'a. Et ici, Nash'at al-Akhira. Nash'at al-Akhira. Et dans d'autres, on va voir Nash'at al-Ukhra. Al-Akhira ou al-Ukhra. Et donc le verset, ou le deuxième verset que l'on cite également en exemple pour cette deuxième méthode, c'est le verset suivant. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création, lui incombe. Donc ici, le terme wa anna alayhi an-nash'at al-ukhra. Donc on voit encore le terme an-nash'at al-ukhra. Et donc on le traduit donc par l'autre création al-ukhra ou la seconde création, et que la seconde création lui incombe. Donc avant cela, Allah Azza wa Jal, il a bien sûr rappelé la première création de l'homme et de la femme. Tayyib. Et ensuite il nous rappelle donc cette deuxième création. Et de même pour le verset donc précédent, comme on l'a vu. Ensuite, pour ce qui est de la troisième méthode. La troisième méthode, c'est l'argumentation par la comparaison faite, entre la revivification de la terre et la revivification des morts. Et lorsqu'on dit bien sûr la terre, c'est-à-dire la végétation qui va pousser après que la terre soit morte. Donc on va donner encore des exemples du Coran par rapport à cela. Et la revivification des morts. Donc Allah Azza wa Jal, il revivifie la terre après qu'elle a été morte, en faisant pousser bien sûr la végétation de nouveau, comme il revivifie les morts après ou qu'ils ont été défunts. Également beaucoup de versets par rapport à cela. Les exemples que l'on va donner, c'est le verset suivant qui se trouve sur Surat les Romains, Rome, et qui est le verset 50. Fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est lui qui fait revivre les morts et il est omnipotent. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal, à travers ce verset, nous demande de réfléchir
نتأمل نتدبر نفكر. Donc on réfléchit, on contemple comment une terre qui était complètement morte, comment Allah Azzawajal, de par sa miséricorde, en faisant descendre de l'eau du ciel, comment il va revivifier, il va faire revivre cette terre. Comme cela sera le jour de la résurrection. Ça, c'est une argumentation qui est très forte aussi. Pour convaincre les gens que bel et bien la résurrection sera présente. Et c'est donc la troisième méthode. Et un autre verset également que l'on donne, et qui se trouve... Le verset est le suivant. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humiliée, خَاشِعَةً, c'est-à-dire une terre qui est humiliée, une terre qui est nue. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente. Yani ihtazzat wa rabat bimana dabbat al hayat fiha. Yani bimana intasharat. C'est-à-dire qu'elle va commencer à se répandre à la vie. Après, bien sûr, qu'elle ait été, ici le terme khashiratan, qu'elle ait été humiliée, donc une terre morte, nue, qui n'a aucune végétation. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Elle se soulève et augmente. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Donc regardez encore Allah Azzawajal comme il fait la comparaison entre le fait de redonner la vie à cette terre qui était morte, qui était humiliée, qui était nue, et la voilà qui revit. Et la voilà où la végétation repousse. Allahu Akbar. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Innahu ala kulli shay'in qadir, subhanallah. Ça, c'est la troisième méthode. Donc cette troisième méthode, l'argumentation par la comparaison faite entre la revivification de la terre et la revivification des morts. La quatrième méthode employée par le Coran, le rappel de la création de la terre et des cieux. Le rappel de la création de la terre et des cieux. Parmi les exemples qu'on va donner, le suivant, qui se trouve sur la Yasin, et qui est le verset 81. يقول الله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وهو الخلاق العليم. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Donc ici, Shahid, on voit dès le début du verset. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum. Donc celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Et leur pareil ici, mithlahum, bimana mithlu ou mithla Bani Adam, mithla Bani Adam. Ça ne revient pas. On pourrait comprendre dans le verset, surtout lorsqu'on lit la traduction, celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil, c'est-à-dire une autre terre et des autres cieux. Ce n'est pas en fait el-maqsoud. Ici, c'est en fait mithla Bani Adam. Walaysa yani as-samawati wal-ard. Et comment on va comprendre? Tout simplement parce que ça aurait été as-samawati wal-ard, alors il aurait été dit an yakhluqa mithlahunna. Mithlahunna, bien sûr au féminin. Alors qu'ici, mithlahum, et qui est bien sûr le masculin pluriel. Sinon, ça aurait été samawati wal ard, ça aurait été bien sûr le féminin pluriel. Mithlahunna, alors qu'ici c'est mithlahum, le masculin pluriel. Et également, lorsque l'on regarde le contexte du verset et l'exposition de ce verset, on voit en fait qu'il est placé à propos de la résurrection. On voit les versets d'avant et ceux d'après, on voit en fait Fisiyaq al-Bahf, c'est-à-dire qu'il est dans le contexte de la résurrection. Donc c'est comme ça qu'on comprend ce verset, qui est donc également une preuve. Ça, bon, c'est pour la quatrième méthode, le rappel de la création de la terre et des cieux. Pour la cinquième méthode employée par Allah Azzawajal, Tanzihullah an al-Dhulm, l'éloignement d'Allah Azzawajal de toute injustice. Et qu'on va comprendre que cela est bel et bien une méthode qu'Allah Azzawajal a employée dans son Coran pour convaincre de la présence de la résurrection.
l'éloignement d'Allah de toute injustice. Tanzilullah an al-zulm. On va le comprendre à travers les versets qu'on va citer comme exemple. Et il y a beaucoup de versets également qui sont utilisés et qui sont donc traduits par cette cinquième méthode. Le premier verset que l'on cite, c'est fait surat al-qalam, la plume, et qui est le verset 36. Yaqul Allah azawajal, afanaj'alul muslimina kal-mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun. Traiterons-nous les soumis à Allah, c'est-à-dire al-muslim, littéralement bien sûr al-muslim, al-muslimin ici, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels, ou comme les criminels, qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Celui, bien sûr, qui va dire qu'il n'y a pas de résurrection, il va dire oui. Et pourquoi cela? Parce qu'Allah Azzawajal, si on voit dans cette vie d'ici-bas, quel mujrimoun, c'est-à-dire les assassins, les gens qui ont commis la pire des injustices, quittent ce monde sans avoir reçu un adab, c'est-à-dire le adab ou le châtiment qu'ils méritaient dans cette vie d'ici-bas. Alors que l'al-muslimin, le musulman pieux, sincère, et qui a eu une vie exemplaire, quitte également cette vie, et peut-être lui, dans cette vie d'ici-bas, il a eu des épreuves dont Allah Azzawajal, de par sa sagesse, tabaraka wa ta'ala, lui a mis. Alors la personne qui dit oui, qui répond oui à cette question, et qui donc traite de mensonge la résurrection, il a donc dit indirectement qu'Allah Azzawajal était injuste. Car Allah Azzawajal, donc, par rapport à celui qui va dénier la résurrection, va dire que cette personne al-mujrim ne sera pas punie et que al-muslim ne sera pas rétribué de la meilleure des façons. Wallah al-musta'an. Afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Donc on voit bel et bien ici que c'est bel et bien une preuve, une argumentation très très forte et qui nous indique que la résurrection est bel et bien présente et que ça fait partie min adlillah, ça fait partie de la justice, de la pleine justice, de la justice complète d'Allah Azzawajal. Et si on aurait dit le contraire, alors on aurait tout simplement attribué à Allah Azzawajal l'injustice. Que ça aurait été un acte d'injustice que cette personne-là, al-mujrim, qui meurt et qui ne sera jamais jugée. Ou al-muslim, qui meurt et qui ne sera jamais rétribué de la meilleure des façons. Donc ça aussi c'est une argumentation très très forte du Coran et c'est la cinquième argumentation. La sixième méthode que va utiliser Allah Azzawajal pour prouver la résurrection également. La sixième méthode c'est la suivante. Tanzihullahi an al-abath. C'est-à-dire l'éloignement d'Allah Azzawajal de tout ce qui revient à ce qui est vain, ce qui est inutile, sans intérêt. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous aurait créé sans intérêt. Qu'Allah Azzawajal nous aurait ordonné de faire des choses, nous aurait interdit de faire des choses, nous aurait envoyé des prophètes, aurait fait descendre des livres, vainement, sans intérêt, inutilement. Ta'alallahu an dhalik. Ça c'est une preuve également. Et c'est une méthode d'argumentation très forte pour prouver également la résurrection. Et parmi les versets que l'on cite, on cite un verset qui se trouve sur surat al-mu'minun, les croyants, qui est le verset 115. Yaqul Allah Azza wa Jal, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? C'est-à-dire sans but, inutilement. Ta'alallahu an dhalik. Donc on voit ici, tanzihullah an al-abath. Donc on voit bien que qu'il y a l'éloignement d'Allah Azzawajal de cela, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est sans intérêt. Sinon, si on aurait dit qu'Allah Azzawajal nous aurait créé et ensuite il ne nous ressuscite pas et qu'il nous aurait donné tous ses ordres et envoyé ses prophètes, tout cela aurait été inutile et ça c'est strictement interdit. Mumtani' fi haqqillah. Ça c'est strictement interdit dans le droit d'Allah. Donc il est obligé qu'il y ait une résurrection. Et ensuite, la septième méthode du Coran et la dernière méthode employée par le Coran, c'est la suivante. C'est le rappel et la citation d'histoires ou de récits ou d'événements par le biais desquels on argumente sur la présence de la résurrection. Rappel et citation d'histoires, de récits, d'événements par le biais desquels on a argumenté sur la présence de la résurrection. Il y a beaucoup de textes coraniques qui vont donc nous prouver cela, qui nous indiquent cela, c'est-à-dire des textes font allusion à une histoire, à un récit, à un événement qui s'est passé
auparavant. Et Allah Azzawajal, par le biais, à travers cet événement, à travers ce récit, il va nous prouver également et argumenter sur la présence de la résurrection. À titre d'exemple, on prend le verset suivant qui se trouve sur Surat al-Baqara. Donc ça, c'est pour la septième méthode. Wallah Azzawajal yaqul wa idha qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Ça c'est le verset 72 de sourate Al-Baqarah. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ Fiha, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna adribuhu bi ba'dihi. Nous dîmes donc frapper le tuer avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Un autre exemple également que l'on cite et qui se trouve dans sourate Al-Kahf. Où Allah azza wa jalla yaqul وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts. يعني أعثرنا بمعنى أطلعهم على الناس وأعلمهم بعضا كانوا مختفين. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils, c'est-à-dire donc les gens de la cité là où ils habitaient, sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a point de doute au sujet de l'heure. Et il faut savoir que de ce temps-là, donc Ashab al-Kahf, les gens de la caverne, qui sont restés 309 ans, comme il cité dans le Coran, bin Nasr al-Qur'an, 309 ans dans cette caverne, en ce temps, il faut savoir que ce temps donc de ce groupe de personnes, Ashab al-Kahf, les gens de la caverne, il faut savoir qu'en ce temps est née la croyance consistant à renier la résurrection. Les gens de ce temps-là ont commencé à renier la résurrection. Et donc Allah Azza wa Jalla, à travers ce récit qu'il nous cite, il nous prouve bel et bien que l'heure va arriver, comme il a fait avec ces gens-là. Il les a laissés tout ce temps, alors que les gens, khlas, oubliés, alors qu'il les a fait revenir, qu'ils furent découverts, la'ahum ala nas, c'est-à-dire que Allah je les a fait découvrir aux gens, afin qu'ils se rappellent par rapport à cet événement que la promesse d'Allah est vérité. Donc ça c'est la neuvième ou la fois la septième et dernière méthode du Coran par rapport à l'argumentation de la présence de la résurrection. Et maintenant, si on revient donc à ce qui est important dans l'explication de ces méthodes, c'est de comprendre en fait le Coran de manière générale, d'avoir une vision générale. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va lire un verset du Coran, on va pouvoir savoir dans quelle catégorie va se trouver ce verset, par rapport bien sûr aux méthodes d'argumentation. Et ça nous aide également lorsqu'on veut faire la da'wah à une personne qui lui ne croit pas en la résurrection, de lui apporter ses preuves. Et donc lorsqu'on sait, on connaît les méthodes, on les a enregistrées, alors on sait exactement quel verset prendre ou le verset que l'on va prendre concerne cette méthode-là. Et donc ça va nous aider à pouvoir utiliser toutes les méthodes qui sont présentes dans le Coran. Donc tu fais da'wah à ces gens qui donc renient la résurrection, tu vas pouvoir donc faire appel à toutes ces méthodes. Donc tu prends un verset de cette méthode, un verset de cette méthode, et ainsi de suite. Donc tu mets en avant toutes les méthodes utilisées par le Coran. Et ça te donne en fait hujjatun qawiyya, c'est-à-dire donc, ça te donne une preuve, des preuves qui sont irréfutables. Et maintenant, lorsqu'on revient donc à la réponse du shirk, donc il nous a dit, le shirk, quelle est la preuve de la résurrection à partir des tombes. Il nous cite des versets du Coran, et il va nous citer ensuite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed. Et c'est un hadith qui est da'if, qui n'est pas authentique, qui a été rendu non authentique par Charles Albani et d'autres encore savants, parmi les savants du hadith. Donc c'est un hadith qu'on ne citera pas. « Ala kulli hal, fil kifaya fil aya », c'est-à-dire qu'on a ce qui nous suffit dans tous les versets que le cheikh va citer, Tayyib, et on va pouvoir donc voir que les versets que le cheikh nous cite sont en référence à une des méthodes.
Donc c'est facile. Si on regarde le premier verset que le shir nous cite, yaqul. Donc en rappelant la réponse du shir, qawlullah ta'ala, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Et c'est lui qui commence la création puis la refait. Et cela lui est plus facile. Lorsqu'on traduit, cela lui est plus facile. Donc, il est clair que c'est également ici, le shir prend un verset qui rentre dans la deuxième méthode. وَالَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans un premier temps la première création. Il argumente par la première création pour nous prouver donc la deuxième création. النَّشَأَةُ الْأُخْرَى. Pour nous prouver la résurrection donc. وَوَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Lorsqu'on voit ce terme employé par le Coran, wa huwa ahwanu alay, ahwan, ça fait bien sûr adam in bab at-tafdil, yani af'al at-tafdil, ce qu'on connaît bien sûr. Wa huwa ahwanu alay, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on comprend le verset de cette manière, que le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ressuscite est plus facile à lui qui nous a créé la première fois? Ta'ala Allah an dhalik. Bien sûr, il est impossible de comprendre le verset de cette manière-là. Car pour tout, pour toutes ces choses-là, c'est facile à Allah Azza wa Jal. Donc ici, af'al ou tafdil, laissat ala babia. C'est-à-dire, le terme employé ici ne rentre pas dans, on va dire, la règle générale d'arabe ou de grammaire. Parce que bien sûr, lorsqu'on utilise af'al ou tafdil, c'est pour faire donc la différence entre deux choses. Une chose qui va être meilleure que l'autre. Une chose qui va être meilleure que l'autre. Et l'autre chose qui va moindre que l'autre. Donc ici par rapport à la création, que ce soit la première création ou la deuxième création, c'est facile pour Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième, c'est-à-dire entre la première création et la résurrection. Donc lorsqu'on lit wa huwa ahwanu alayh, qu'on traduit donc et cela lui est plus facile, ça ne veut pas dire que la résurrection est plus facile par rapport à la première création. Chaque chose est facile pour Allah Azza wa Jalla. Donc c'est comme ça qu'on le comprend. Et la preuve, c'est qu'à la suite du verset, yaqul Allah Azza wa Jalla wa lahu al-mathalu al-a'la. Donc ici, simplement, bien sûr, c'est une comparaison qui est faite. Donc c'est une argumentation qui est faite, comme on l'a déjà cité. C'est-à-dire qu'on va comprendre que, vu qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé la première création, regardez cette première création, subhanallah, comment il a créé l'homme. Est-ce que la deuxième création ne va pas être plus facile? C'est dans ce sens qu'on le comprend, bien entendu. Et sinon, les deux créations, ou la création et la résurrection, sont idem pour Allah Azza wa Jalla. En tant ou en termes de facilité, si on peut le dire ainsi. Taïb, donc c'était une remarque à faire pour ce verset. Également dans le verset qu'il cite, le shir, qui est le suivant, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Ainsi nous la répéterons. Également, ça rentre dans la deuxième catégorie. C'est la deuxième méthode. Et on va voir pour le verset suivant également, c'est-à-dire le shir, pratiquement la plupart des versets qu'il utilise, ils sont tirés de la deuxième méthode qu'on a vue. Ensuite, le verset suivant, on va voir que c'est la méthode avec la comparaison de la création des cieux et de la terre. Donc on voit qu'ici, le shir va nous rapporter un verset qui est en référence avec une autre méthode, et qui est la méthode donc de comparer avec les cieux et la terre, la création des cieux et la terre. Et c'est le verset suivant. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si, il est certes omnipotent. Et ensuite, le prochain verset que le shir nous cite, et c'est le dernier verset cité, c'est un verset que l'on a déjà cité, qui se trouve bien sûr à la sourate 41, qui est le verset 39, et c'est donc celui qu'on a déjà expliqué auparavant, qui rentre donc dans la méthode où Allah Azza wa Jalla compare la terre morte, et une fois qu'elle est bien sûr revivifiée, avec celle de l'homme, ou plutôt la mort de l'homme, comment Allah Azza wa Jalla va le revivifier. Et si on reprend par rapport aux méthodes que j'ai données, ou dans l'ordre des méthodes que j'ai données, c'est la troisième méthode, l'argumentation par la comparaison faite entre la revivification de la terre et celle des morts. Si on citait plusieurs versets en comparaison avec Al-Bahf, donc on pourrait s'apercevoir à chaque fois et on pourrait les mettre ainsi de suite suivant la méthode utilisée par le Coran. Ensuite, pour la dernière question aujourd'hui qui est toujours en relation avec Al-Bahf, c'est la suivante. Yaqul al-Shir, rahmatullah alayh,
ما حكم من كذب بالبعث؟ C'est-à-dire, quel est le statut de celui qui nie, qui renie la résurrection? فيقول الشيخ وكافر بالله عز وجل وبكتبه ورسوله قال الله تعالى. Donc il nous donne le hukm. Il nous donne le statut de cette personne-là. Et le statut, il nous dit, c'est un mécréant. Un mécréant Allah Azza wa Jal, parce qu'il a renié ce qu'Allah Azza wa Jal a cité dans son Coran. C'est un mécréant ses livres, parce qu'il a renié ce qui est présent dans les livres d'Allah Azza wa Jal, que ce soit la Torah, l'Évangile, tous les autres livres qu'ils ont précédés, le Coran, etc. Et également ses messagers, car tous les messagers sont venus pour avertir de ce grand jour, et pour avertir de la résurrection. Donc, « wa kafir billah » La preuve est la suivante, un verset du Coran. يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Et ceux qui ne croient pas disent, donc le terme ici, وقال الذين كفروا, هذا هو الشاهد ووجه الاستدلال واضح. Et ceux qui ne croient pas disent, est-ce que quand nous serons poussière ainsi que nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir de nos tombes? Également, un autre verset que le shir nous cite pour prouver que cette personne qui renie la résurrection est un kafir. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ هذا هو الشاهد وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc, et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussière, que leur dire, quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Donc on voit bien ici que c'est la parole de ceux qui ont mécru. Et ensuite, le shir en nous citant un troisième verset, et qui est le suivant, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Donc c'est un des versets qui rentre dans la première méthode, et qui est l'un des plus évidents, car il contient bien sûr le serment par Allah Azza wa Jal. Ceux qui n'ont pas cru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, dit, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Ça, c'est pour les versets du Coran. Donc ici, Al-Shahid, Za'ama Al-Ladhina Kafaru, ceux qui n'ont pas cru. Également, il va nous citer un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu avec des versets du Coran, trois en l'occurrence, et il termine donc avec un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc preuve du Coran et de la Sunna. Qala Allahu Ta'ala, donc c'est un hadith qui est considéré comme un hadith Qudsi, et qui est donc la parole d'Allah Azza wa Jal. Al-Hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Inan. On aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir pour ce qui est de la compréhension et la définition du Hadith Al-Qudsi. Qala Allahu Ta'ala, Kadhabani ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalika, wa shatamani, wa lam yakun lahu dhalik, fa amma takdhibu iyaya, fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. Donc c'est un hadith qui est, le shir dit, dans les deux sahih, mais en réalité il est uniquement dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, et c'est le hadith suivant. Allah dit: le fils d'Adam m'a démenti alors qu'il n'avait pas à faire cela, et il m'a insulté alors qu'il ne lui appartenait pas de faire cela. Quant au fait qu'il m'ait démenti, il s'agit de sa déclaration, il ne me redonnera pas la vie comme il me l'a donnée au départ. Donc, هذا هو الشاهد. فأما تكذيبه فهو كذبه. Donc, il a démenti Allah Azza wa Jal. Allah al-Musta'an. هذا كفر بواح واضح. Quant au fait qu'il m'ait démenti, il s'agit de sa déclaration, il ne me redonnera pas la vie comme il me l'a donnée au départ. Inkar al-Bahth, donc ici, c'est renier la résurrection. Alors que la première création ne m'est pas plus facile que son recommencement. Quant à son insulte envers moi, c'est sa parole, Allah s'est attribué un enfant. Alors que je suis l'unique, le seul à être imploré pour ce qu'on désire. Je n'ai jamais engendré et n'ai pas été engendré non plus.
et nul n'est égal à moi. Subhanallah. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui et pour ce qui concernait Al-Bahf. Et Inch'Allah ou Ta'ala, pour le prochain cours, on commencera donc à rentrer dans les différentes étapes. Donc ici, on voit bien qu'on a parlé. Donc ici, Tasalsul, c'est-à-dire c'est chronologique ce qu'on va étudier. Et c'est comme ça que le Cheikh, en fait, il a présenté son livre. Donc on a vu Fitnatul Qabr, on a vu ensuite Adabul Qabr, on a Imu, et ensuite, bien entendu, après, qu'est-ce qui se passe? C'est la résurrection. Après la résurrection, ou ce qui rentre après, c'est bien sûr ce qu'on appelle le soufflement dans le corps. Et c'est ce qu'on va étudier, Inch'Allah, la prochaine fois. Il y a encore d'autres questions qui sont en relation avec ce grand chapitre ou cette base de la croyance, l'imanu bil-yawm al-akhir. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.